Salut la team. Donc, je me suis lancée pour défi de faire des Sénégalaises twist. Donc, vous allez être avec moi, vous allez voir. Je sens que je vais galérer, je ne sais pas pourquoi. Donc, pendant le confinement, j'avais essayé une seule vanille, mais maintenant, je dois essayer de les faire dans toute ma tête. Alors, je l'ai vu grosse, donc ce ne sera pas quelque chose de machin. Pourquoi je ne fais pas avec mes cheveux? Parce que je viens de couper mes pointes, donc ça va rester. Donc, je me dis, allez, vu que je me suis lancée un défi d'essayer de mettre à jour. Bon. Que j'avais fait des choux pour détendre un peu. On va brosser. Voilà. Ça avec quoi je commence? Alors j'aurais peut-être dû les lisser, mais j'avais pas envie. Voilà. Je ne veux pas faire trop petit. C'est ça qui est le plus chiant, du coup, juste pour le biais de la vidéo, je vais faire semblant, mais sachez que sinon, je suis pas du genre à refaire les parties. C'est comme c'est là, et puis tant pis. Vous devriez le savoir, je suis pas quelqu'un qui se formate sur des trucs. Donc, je vais juste séparer un ou deux. Edge control. Oula. Ah oui. Very waxy. Que je devrais en mettre un peu plus. Il faut savoir, je suis pas quelqu'un qui met. Ça, je pense que c'est presque un problème. Autant il y en a qui mettent trop, autant je suis vraiment le genre de personne qui met pas assez de produit. Donc c'est tout. Bon, les gars. Mon Dieu, j'ai peur. Dans quoi je vais me foutre? Nous allons prendre le cheveux. Je les ai lavés, mais j'aurais dû les hydrater parce que c'est sec. Mais ça fait pas en fait. J'arrive à faire l'autre côté. Thank you.
Et le pire, c'est que je suis gaucher. Le rapport, quel est le rapport? J'ai vu beaucoup de vidéos. Non. Alors, je comprends pourquoi les gens font la méthode avec les élastiques. C'est pas facile. Vous savez quoi? Je vais faire la méthode où on commence. Avec ses cheveux. Et que une fois commencé, en fait ces cheveux là sont vraiment pas faciles, on m'avait déjà dit, mais comme je les ai déjà achetés les gars, donc il faudra bien que je fasse quelque chose avec. Et je crois que ce sera... Vous savez quoi? Ça me saoule déjà. Parce que ce qui se passe, c'est que je suis gaucher. Hein? Je sens que la fille va finir par juste dévanir ses cheveux. Ok. On est d'accord. Alors là, les filles. Et si tu te rappelles déjà dans quel sens tu as fait ta vanille? Non? Les gars, j'avais plus. Je suis pas patiente. J'aurais dû prendre les lisses. On m'avait dit ça. Enfin, c'est pas que j'écoute pas, c'est que je m'y connais tellement pas que je suis allée acheter. Et on m'a dit non, Léonora, tu t'es trompée. Non, j'y arrive pas. Donc, j'y suis arrivée une fois que j'ai enlevé la caméra. Donc, on va voir où ça commence et malheureusement, on voit où ça. On voit où ça termine à peu près ici. Parce que je n'ai pas fait la technique du feeding, déjà que j'arrive même pas à mettre. Bon, allez. On essaie, et sinon j'ai les cheveux plus lisses. Je pense que je vais aussi essayer pour voir quoi c'est mieux. Mais bon, voilà, c'est vraiment une petite coiffure histoire de. C'est pas pour faire des photos, c'est pas pour. C'est histoire de. J'essaie, je me suis prise pour défi, ça se dit. J'ai décidé de me défier et d'essayer d'enfin faire des rajouts. Donc, on y va. Je suis ce genre de personne qui aime seulement c'est des défis, non c'est pas parfait, mais j'avais envie d'apprendre à faire moi-même. Je reconnais toujours et je reconnaîtrai toujours que les pros
ils savent mieux faire. Mais voilà, j'avais demandé un défi et je vous dis, je vais juste faire toute ma tête et je vais garder mes cheveux jusqu'à ce qu'il faille les enlever. Franchement, j'ai aucun problème avec ça, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Je sais qu'on m'a toujours regardé, mais franchement, je suis plutôt contente d'avoir testé. J'irai jusqu'au bout de mon effort et voilà. Donc, je vous rappelle quand je serai devant. Bon, alors ce que je vais faire, c'est que je vais couper les cheveux en deux pour pouvoir faire la technique du fading. Alors si vous savez déjà qu'il fallait faire comme ça, s'il vous plaît ne me jugez pas, encore une fois c'est la première fois. Et sur les vidéos YouTube que je regardais, les filles ne faisaient pas ça. Mais ma copine qui m'avait coiffé, qui m'avait fait des tresses, elle avait coupé. Donc je vais couper. Ça, ça sent bien. Et ne vous moquez pas de moi. Mais sachez-le déjà, hein, devant, je vais faire avec les cheveux lisses. Je vais tester comme ça, je pourrai voir la différence. Et après, je serai experte. Et oui, c'est comme ça que ça commence. On est d'abord débutant avant d'être experte. Ma fille a déjà décrété qu'elle soit experte. Et vous voyez, ma nièce est passée par là. Et elle a fait des vanilles avec vos cheveux. Si elle savait à quel point ça s'en mêle vite, mon Dieu. Donc, on va faire comme ça maintenant. Et on verra. Je sais pas dans quel sens il faut aller. Feld. Je n'y arrive pas, les gars. Que puis-je dire? Je n'y arrive pas. Donc, je vais. Je sais pas comment vous faites. J'admire hein, ce qui y arrive. Surtout si vous y êtes arrivé du premier coup, alors là, chapeau, parce que moi... Bon, un truc de genre. Un truc du genre. Ah oui, j'oublie. Les bouts. Bon, c'était un truc du genre. On va y arriver, les gars. On va y arriver. J'en suis sûre. Bon, ça donne quand même l'effet que je voulais pas. Mais c'était plus facile à mettre et ça sera moins long surtout. Voyons voir. Au moins ça sort pas. Hein. Bon. On va continuer comme ça les gars. Donc je fais la technique, je coupe ou pas? Oui. Je peux faire. 3 hours later. Résultat final.